Recteur de Guyane présente sa copie, ses 571 000 euros d'investissement en matière de petit déjeuner pour les élèves, afin qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Le recteur constate également le manque d'infrastructures, mais ce n'est pas tout. Nous avons quelques difficultés sur certaines parties du territoire à scolariser à 3 ans, parce que ça demande aux enfants de prendre la pirogue le matin, parfois très tôt le matin, avec l'insécurité. Donc la première des choses, la première perspective, c'est que nous allons continuer de déployer ce que nous avons appelé les maternelles de proximité. Et enfin, nous continuons d'avancer sur la question des ressources humaines. Dès la rentrée prochaine, c'est fait, c'est acté, nous aurons un concours de professeurs certifiés dans le second degré dans notre académie. Le 20 janvier, c'est également le jour J pour les épreuves de contrôle continu du baccalauréat, une réforme qui cristallise beaucoup d'inquiétudes en France hexagonale. Mais qu'en est-il pour la Guyane? Rien n'exclut un petit problème technique qu'on pourra résoudre sur les photocopies, sur des choses comme ça, mais c'est des problèmes techniques. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris l'intérêt de la réforme, et tout le second degré en Guyane, nos lycées sont droit debout et pour mettre en œuvre cette première phase de la réforme du lycée, et donc de mettre en œuvre les autres AC. Et donc je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai aucune inquiétude sur cette question-là. Pérenniser les contractuels, réduire les inégalités entre les élèves, créer une pirogue du livre, le recteur a une feuille de route bien précise pour l'Académie de Guyane. Toujours sur le premier degré. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.